Coucou, j'espère que vous allez bien. On fait un bon petit riz aux oignons caramélisés. Ici, j'ai un poulet entier que je vais mariner avec ma marinade du dimanche. Voilà, je fais de grosses entailles. Et je vais rajouter la marinade. On va bien mariner l'intérieur comme l'extérieur. On va laisser reposer. De côté ici, je vais faire mixer tomates, oignons, poivrons, poireaux, tout ce qui est vert en tout cas. Basilic, persil, cébette, céleri, ail, gingembre, piment. Voilà, voici un peu à quoi le résultat va ressembler. Dans une cocotte, dans une casserole, j'ai rajouté de l'huile, des oignons pour tester la température. Et quand l'huile est chaude, je vais venir faire le frire mon poulet tout entier. On va bien retourner comme ça. Ok, je pense que c'est doré à souhait. Je vais décaler mon l'huile sur le côté. Dans une cocotte, je renverse un peu d'huile. Et je vais rajouter la marinade, la mixture verte là. Et je rajoute encore la marinade du dimanche. Vous pouvez soit utiliser la marinade extra épicée ou le dimanche. Ou bien savez, moi je suis allée sur uniquement que marinade du dimanche. On va laisser frire. Quand ça frit pendant environ 10 minutes à feu moyen, je vais rajouter. Je vais transférer mon poulet, une feuille de laurier. Je vais saler, rajouter de l'eau. On va couvrir et laisser notre poulet là faire pito. Là, je pense que le poulet il est bien cuit à l'intérieur. Je vais le retirer. Et là, de côté ici, j'ai mon riz long grain que je vais rincer. Après avoir rincé, je vais renverser le riz dans ma sauce. On va bien mélanger. Ici, c'est un piment vert que je vais piquer avec les clous de girofle. C'est pour pouvoir bien donner un bon parfum à mon plat. Je rajoute du piment. Et de côté ici, nous avons des oignons que je vais couper en lamelles. Ok. Là, je vais renverser dans mon air fryer. Je vais assaisonner mes oignons avec encore la marinade du dimanche. Cette fois-ci, c'est dimanche seulement. Je dépose le grillage et je vais poser mon poulet sur le grillage. Le poulet que je vais une fois de plus encore mariner avec le dimanche. Marinade du dimanche. Ça, tu n'as pas marinade du dimanche actuellement là, t'es derrière. Ah si. Je vais laisser tout ça là. Frit à 200 degrés. Ici, je pense que mon riz a bien absorbé l'eau. Je vais mélanger. Je vais utiliser un papier cuisson pour remballer tout ça et laisser cuire à feu doux. Mon poulet qui est bien doré, je le retire et je continue à caraméliser mes oignons. Vous pouvez retourner le poulet sur le ventre. Voilà, pour que le jus puisse bien descendre. Ça, je l'ai appris à l'école. Je vais retirer, on va bien mélanger. Ici, je pense que le riz, il est parfaitement cuit. Dans un plat, je vais dresser mon riz. Voici mes oignons qui ont été très bien caramélisés, comme j'aime. Et dépose. Le goût. J'ai dit, marinade là. Voici pas que nous qui arrivent. La recette, ça, tu as fait ça pour tes invités. Et t'as su que. Non. Cadeau, ils vont donner à des enfants là, c'est pas à toi-même. Bye bye, yo. Verset biblique sur vous. Au revoir.